Dans un appartement, on remplace 5 ampoules normales de 60 watts par des lampes économiques de 11 watts. Chaque lampe brûle en moyenne 1 heure et demie par jour. Question: quelle est la somme économisée par an si 1 kWh coûte 0,30 euros? Nous savons que le nombre n de lampes vaut 5. La puissance d'une ampoule normale, P1, vaut 60 watts. Puisque nous cherchons un nombre de kilowatt-heure, nous pouvons de suite convertir les 60 watts en 0,06 kilowatts. La puissance P2 d'une lampe économique vaut 11 watts, c'est-à-dire 0,011 kilowatts. On nous dit encore que le temps T vaut 1 heure et demie et nous laissons ce temps en heures vu que nous cherchons des kilowatts-heure. On nous dit en plus que 1 kWh coûte 30 cents. Ce que nous cherchons, c'est le gain, c'est-à-dire le nombre d'euros par an. Par la formule P est égale à E sur T, nous savons que l'énergie E est égale à la puissance P fois le temps T. Appliquons cette formule-là pour les lampes normales. Nous obtenons donc l'énergie E1 est égale à N fois la puissance P1 fois le temps T. Nous remplaçons le N par 5, le P1 par 0,06 et le T par 1,5. Donc, nous trouvons comme énergie E1 0,45 kWh. Maintenant, les lampes économiques. L'énergie consommée E2 vaut, en vertu de cette formule, N fois P2 fois T. Nous remplaçons le N par 5, le P2 par 0,011 et le T par 1,5. C'est ainsi que nous obtenons comme énergie E2 0,0825 kWh. La différence d'énergie, appelons-la delta E, c'est E1 moins E2. Donc, c'est cette différence-là qui vaut 0,3675 kWh. Comme nous cherchons le prix, d'abord nous le calculons par jour. Le gain, donc l'argent économisé, c'est 0,3675 kWh fois ces 30 cents, et ça par jour. Donc nous avons un gain de à peu près 11 cents par jour, ce qui n'est pas beaucoup. Mais si nous multiplions cette somme par le nombre de jours qu'il y a par an, nous obtenons tout de même un gain de 40,27 euros par an.